Bienvenue dans cette explication des règles de Wikis, le jeu qui vous donne les clés de compréhension de Wikipédia. Dans ce jeu collaboratif, votre objectif sera de construire ensemble un article Wikipédia de la meilleure qualité possible. Pour ce faire, vous allez à tour de rôle poser des cartes sur le plateau, parfois en les superposant aux cartes déjà placées. À la fin de la partie, les symboles visibles sur le plateau feront monter ou baisser la qualité de votre article. Pour produire un bon article, vous aurez besoin de sourcer vos informations, équilibrer les points de vue, structurer le contenu, le tout en évitant les erreurs. Pour commencer, placez le plateau au centre de la table. Mélangez les cartes contributions et donnez-en 3 à chaque joueur et joueuse. Les cartes restantes forment la pioche contribution. Laissez de côté les cartes sujet et profil, nous reviendrons dessus plus tard. La dernière personne à avoir été sur Wikipédia commence sa partie. Le jeu se joue à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque c'est votre tour, choisissez une carte dans votre main. Deux choix s'offrent à vous. La jouer sur le plateau ou la défausser à côté de la pioche contribution pour passer votre tour. À la fin de votre tour, piochez une nouvelle carte contribution. Quand vous jouez une carte sur le plateau, vous pouvez la placer n'importe où sur la grille et dans n'importe quel sens. Cependant, chaque symbole que vous changez en posant votre carte fait monter la jauge d'édition d'autant de points. Quand cette jauge arrive à 10, c'est la fin de la partie, qui arrive également si tous les joueurs et joueuses passent leur tour successivement. C'est l'heure d'évaluer votre article. Faites monter ou descendre sa jauge de qualité en fonction des symboles visibles sur le plateau. Un point pour chaque information dont la source est présente. Notez qu'une source valide toutes les informations de sa couleur. Un point pour chaque paire de points de vue différents. 4 points pour chaque structure complète. Et moins un point pour chaque erreur encore visible sur le plateau. Le résultat final vous indique la qualité de votre article. Pour varier vos parties, vous pouvez intégrer progressivement les cartes sujet et profil. Tirez une carte sujet avant de commencer. Elle modifie la valeur maximale de la jauge d'édition et la manière de compter les points. Vous pouvez également distribuer lors de la mise en place du jeu une carte profil à chacun et chacune des joueurs et joueuses. Celle-ci confère un pouvoir unique à la personne qui la reçoit. Bonne partie !